Bonjour les chimistes. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux trois états de la matière. L'état solide dans le premier verre, l'état liquide qui coule du robinet ou dans le deuxième verre, et l'état de gaz que l'on voit par la vapeur d'eau qui s'échappe de la bouilloire. Ici, on va plutôt s'intéresser aussi à leurs propriétés. On voit par exemple que le glaçon a une forme qui lui est propre, hein, même s'il est dans le verre, le glaçon ne change pas de forme. Donc on dira qu'il a une forme propre à lui. Cette forme propre est une propriété du glaçon. On va aussi s'intéresser aux propriétés des liquides et des gaz par les activités qu'on va faire en classe.